Et yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Civilization 5 dans lequel nous jouons Venise. Alors on s'est arrêté la dernière fois, on avait... Oui c'est ça. On avait augmenté un petit peu le nombre de navires marchands parce qu'on avait eu un souci de pillage. Un gros souci au niveau du pillage. Et on a réussi à faire remonter un petit peu notre... Oh là, et notre solde d'argent. Enfin, notre entrée d'argent plutôt. Et ça, c'est plutôt cool. Ah oui, on était là aussi. Eh bien, mon cochon. On va enfin essayer. Ah. Mesure ce qui est mesurable et rend mesurable ce qui ne peut l'être. Ce qui ne peut l'être. Ok. Et on a découvert Malacca avec. Ok, super. On. En même temps en finir avec les barbares qui sont dans le coin. J'ai deux unités, je pense que ce sera suffisant. Au niveau de Venise, je vais acheter un bateau atelier parce que j'ai de la perle que je peux l'emmener, tout simplement je peux l'emmener travailler sur la perle. Gondar ici, ouais. En train de voir. Peut-être que ma prochaine cité-état, la prochaine cité-état que je vais acquérir, ce sera Vancouver. Pour le vin et le poisson. Puis quelques petites terres sur lesquelles on peut faire des fermes. Donc, ça a l'air pas mal. J'ai hésité un moment avec Sidon. Mais. Toundra, la neige, c'est pas mon. Un cheval! C'est pas trop un mon cheval. Mon royaume pour un cheval. Mon royaume pour un cheval. Mince, c'est le navire marchand. Allez, on refait la route commerciale vers Pékin. Le bateau atelier, tu peux aller là-bas. Hop, on va s'avancer tranquillement. Oui, ils sont forts les lanciers, mine de rien. Et à Venise, on va faire très important, Notre-Dame. Très très important. Pour le bonheur. C'est combien? C'est 10 de bonheur. Ouais. Donc on va pas dire non. Pardon. On va clairement pas dire non à 10 de bonheur, hein, les gars, faut pas déconner. Genghis Khan a été... Kyoto, Genghis Khan a été prise par la mafia. Ah ouais, bah oui. Alors comment dire? Ah, j'adore. Kyoto, Genghis Khan, Allemagne. Ah ouais, c'est... Mince, c'est vrai qu'il y avait des... Je l'ai pas vu ça. J'avais une cité-état, mais je ne sais pas laquelle. C'était Malacca. Yes. Ah, y a une ruine antique ici. Ouais. Ok. Oui, est-ce que je peux acheter un autre truc? J'achèterais bien encore un navire, voilà, marchand. Parce que j'ai vu que je pouvais encore l'envoyer sur une ville. Neutre. Et construit des merveilles, ouais. Hop, hop, hop. Oui, pareil. Eux, ils cherchent plus mes territoires, c'est bien. De toute façon, je suis premier au point, mais bon, les points, ça veut rien dire. Moi, je préfère me fier à ça. Mon territoire, c'est normal que je sois rincé. Un prophète illustre. Ok. Bah on va l'envoyer propager la religion vraie. Ah, non, c'est pas ça. Alors est-ce que... Oh non, terrible. Ah, c'est la ville sainte. C'est terrible ça. Ah, je me prends une pression en plus religieuse là. Ultra terrible.
Je vais l'envoyer à Byblos. Ouf. Ok, il n'y a plus de barbares. Enfin, réussi à retirer tout, tous les camps barbares de là, quoi. Satsuma, Tokyo, ah ouais, vraiment. Il... Oh, il me propose Vesbalik. Vesbalik. Écoutez les gars, qui sommes-nous pour dire non? On va accepter, bien évidemment. On est obligé d'en faire une ville fantoche. Et Vesbalik, c'est où? Es wäre in eurem... Ici. Ouais, pas terrible. Après, c'est à côté de sa capitale. Oh, vache. Katmandou. Alors, je vais quand même envoyer quelques troupes à Vesbalik au cas où. Là, j'ai vu, il y avait ça. Ok, bah tiens. Je vais l'envoyer lui. C'était où? C'était là-bas. Oh la vache. Je sais pas combien de temps il va mettre pour y aller lui, mais on est pas prêt de le revoir. Hein. Peut-être dans un ou deux épisodes. Allez. Mais on est clairement pas prêt de le revoir. La vache. Bon, Venise déborde de fric. Enfin, pour l'époque. C'est une bonne chose. On va réaccepter l'ambassade. Maintenant qu'on lui a piqué une ville, on peut bien. On est toujours bien au niveau bonheur en plus. On va pas se plaindre. Recherche une merveille naturelle, donc ça veut dire qu'il y a encore des merveilles naturelles à... Ok, ça me va. Chichen Itza, non, il a déjà été fait Chichen Itza. Plus de nourriture et plus en culture pour les cultures en terrasse. Ouais. Mais j'ai pas d'eau douce. Il me semble pas, hein. Cours d'eau, ah si. Un peu de cours d'eau, là. Là, bah non. Non, c'est ça. Oh là, le libre passage compte sur moi pour jamais te le donner. En plus, elle est bien aménagée, il y a de la banane, donc c'est de la nourriture. Oh, c'est sympa, hein. Ils ont été généreux. La seule chose qui nous sauve de la bureaucratie, c'est son inefficacité. Ça, dans notre pays, c'est vrai. On ne peut pas dire l'inverse. Allez, je vais emmener le marchand illustre à Vancouver. Pas mal d'habitants, mine de rien. Oh la vache. La cité-état ici. Oh là 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 là. On a un âge d'or. Ah. Ok, pour ça qu'on a pas mal d'or. Donc faut penser qu'on aura beaucoup moins d'or une fois. Une fois terminé. Ruine antique. Ok. Katmandou. Encore un barbare aussi à Katmandou. Ah, il y en a qui sont foutus sur la case. Bon, très bien, on va l'envoyer là. Mince, je voulais faire un port.
Oui. Coûte combien le port? 780. Ah, c'est pas de suite. Encore 3 tours. 1, 2. Oh, on a un petit. On a un petit noyau sympa. Ah, c'est vrai que j'avais pas dans ma salle avec lui. Et là, je, en plus, ouais, je m'entends même pas mal avec. Qu'on voit de certaines de vos terres. Isabelle? Wesh, attends, j'ai des îles paumées n'importe où. Tu sais même pas où tu es, Isabelle. Arrête. Campement barbare. Ici. Je vais envoyer mon archer composite. Nage d'or a pris fin. Oups. Rencontre. Ouais, les Celtes. Ok, pas mal de. Pas mal de cités-états sont contents que j'ai rencontré les Celtes. Enfin. Ils sont contents du fait que je sais où les Celtes ont leur capitale. Ça, c'est cool. Caravanserai, ça c'est bien. Est-ce qu'il reçoit pas mal de routes? Putain, 20 de pression. Oh. J'ai plus de pression du taoïsme dans ma capitale que de l'hindouisme. Ouais, c'est compliqué. Mais j'ai pas assez pour acheter mon port en plus. Donc c'est 3 tours. Manque de chance, ma production d'or a un petit peu baissé. Ouais, ils sont tous jaloux que je maintienne de bonnes relations avec les cités-états. C'est pas grave. Ici, on a de la production d'or, d'ailleurs. On a pas besoin de tribunal. Ok. J'ai même les Espagnols qui m'envoient des caravanes, c'est cool. Enrico Dandolo a prouvé que la Terre était ronde. Bien joué. Ah, bien joué à moi en fait. Voilà, on propage. 7, c'est tout. C'est terrible ça. Bon. Bon, eux au moins. Ce sera l'hindouisme. Il y a de la pression là. Ouais, on accepte le libre passage avec Gandhi. Enfin avec les Indes. J'ai pas fait mon port. Et en plus, une fois que j'aurai fait les ports, je pense, il me semble, que ça va me. Grâce au Machu Picchu, ça va me. Donner pas mal d'or, vraiment pas mal d'or. Acheter, donc là on est à 93 d'or, 91. Ah, peut-être le temps que ça se recalcule, j'espère. Non, parce que je serais un peu déçu quoi, sinon. À moins que ça soit purement terrestre. Alors là, je suis très très déçu. Antananarivo. Allez, on va envoyer sur. Non, peut-être pas Antananarivo. Sur Melbourne. Je vais envoyer sur Melbourne. Juste parce que ça me prend pas de la pression religieuse d'une autre religion sur ma capitale. Bon, même si là, à mon avis, je vais pas trop jouer ce côté-là. Espero que este trato reciba su bendición. Non. Ah, j'aurais pu. Ça a arrêté de convoiter mes terres.
commence à s'inquiéter de votre tempérament belliqueux. Pardon? Pardon? Mon tempérament belliqueux? J'ai rien fait. Vraiment, j'ai rien fait. Hein. J'ai. Tu m'as pas tapé contre une unité. Alors, à moins qu'ils soutiennent. Comment il s'appelle? Genghis Khan? Je vois pas. Hein. Et sur Buenos Aires. Les ouvriers, faites votre vie comme d'hab. Là, j'ai des archers composites que je vais envoyer à différents endroits. Connexion urbaine. Ah ouais, voilà, regardez, 148. La connexion urbaine, elle a bien été prise en compte. Ça fait du bien. Et pourquoi il y a un bateau atelier celt ici? Ok, bon. Pourquoi pas? Après tout, qui suis-je pour juger? Une usine de sidérurgie qui va bien accélérer la production de bâtiments. De suite de production. Ah ouais. Confédération marchande, plus 2 d'or pour toutes les routes établies avec les cités-états. Ça me rapporte 12 d'or en plus. À dire. Ah, bientôt la chevalerie, tiens. Libre passage de l'Éthiopie, oui. Un grand plaisir. On est copains. Accordeur cherche. Ça va augmenter pas mal la science. Donc oui. Ouais, elle a arrêté de vouloir prendre mes territoires, donc on va dire oui. En soi, vraiment, on s'entend vraiment bien avec beaucoup. Comment ça, neutre? Comment ça s'inquiéter de votre tempérament belliqueux? Non, mais. Hein, mais ils ont déliré, hein. On arrive au 18, Kaokia 18. Oh la vache, ça met bien. Ouais, c'est Antanon arrive. Hop, bonjour à vous. Ah, il y a du missionnaire là. On va faire attention. C'est vrai que je peux faire des arbalétriers. Bon, on va en profiter. On a un peu d'argent. Alors moi. De défense, c'est pas trop. Sera proclamé roi de toute l'Angleterre, celui qui d'une main pourra arracher cette épée à la pierre. Cool. Écoute, moi je n'arrache pas d'épée. Pas la force. Ah. Moi je passe là à côté en mode salut les gars, ça va? Ça permet de fonder le congrès mondial, c'est bien ça.
prudent. Oh, Ganomudaga. Prépare des choses bizarres. Oh, c'est sympa. Oh, dommage. Allez, on va essayer de propager un pouya. Et là, on va aller propager là-bas et Bono CLS, je suppose. Ou alors peut-être... non, non, ça va se faire là-bas. Ouais, c'est le bordel hein, au niveau des religions, c'est... Plus 50. Ah bah dis donc, ils se défendent bien les Mongols. Oui, qu'est-ce à coup ? Copain barbare, mission pour citer état. Ah bah voilà. Cité-État. Là ça me donne plus tant que ça que science. Je reviens à Kaokia, 18, 12, ouais 18, ouais, bah, voilà, direction Kaokia. D'accord, il y a tout qui est pris autour ou... Oh la vache. L'impression augmente un peu, ça c'est toujours bien. C'est bon à prendre. 5 routes commerciales. Ouais quand même, ça déconne zéro là. Accord de recherche. Ça me va. Nouvelle unité de Sidon, Sidon vous admire. C'est propre ça. Ouais, bien joué à toi. Archer composite, arbalétrier. Barbare éliminé pour le compte de Kuala Lumpur. Je vais m'avancer là. Là je vais pouvoir... je vais l'enrôler. Et pour pouvoir le... La détruire l'unité. Voilà, c'est... C'est... Je préfère. Je sais... Voilà. Oh! Les guerriers Mohawk. Vénitien. Les guerriers Mohawk, ils sont forts. Ils ont un truc, je sais plus ce que c'est. Bonus de combat en forêt jungle, plus 33%. Pouah, 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 pouah. Ah ouais. Je vais les mettre là. Ils vont attendre dans la forêt, là. Biscan l'a flappé avec Bismarck, ok. Est-ce qu'il y a eu des villes qui ont été prises, machin? Même pas. Cavalerie là-bas. Eux, détruire l'unité. Parfait. Et eux. Ils allaient là-bas, je crois. Ouais. Yen on est à Sebebet. Oui. Bon, il y en a un inquisiteur. Est-ce qu'il emmène lui? Ok.
Et après, je vais pouvoir aller à Bogota. Ou à Kiev. Ah non, il y a une autre religion là-bas qui est à Bogota. Du trait de paix avec Genghis Khan, on va faire attention parce qu'il pourrait se réveiller d'un coup. Voyons, il y a des flèches meurtrières lui. On va en un peu d'or. Je vais prendre une galère vénitienne. Je préfère... paré à toute éventualité. Ici, il n'y a pas de campement barbare. Et je vais essayer de voir où est-ce que je vais le placer. Aucune idée. Peut-être par là. Ouais, je vais le placer là, je pense. Un artiste illustre est né, ça c'est bien. Je vais l'amener là. J'ai pas de place pour mon artiste illustre, c'est dommage. Ouais, l'ombre c'est fort quand même hein, pour les unités. Bon bah lui je vais le faire dormir, lui il va propager tranquillement. Lui il va continuer. Habitants sur Londres. Mon cochon, ils se mettent bien. Hein. Je suis pas resté premier longtemps à ce rythme-là. Premier en alphabétisation. C'est-à-dire qu'on a découvert le plus de technologies. C'est bien. C'est très bien même. Voilà. Prochain tour, on pourra aller chercher. Et on avait dit au niveau de Bogota. Hop là. Direction le sud. J'ai cru que c'était des barbares. J'ai du mal avec les couleurs, et là j'ai vu un truc rouge arriver, enfin, pour mes yeux c'est rouge. Là je me suis dit, oh purée, mais d'où est-ce qu'ils sont arrivés encore eux? Non, ça va, ce sont pas des barbares cette fois. Écrivain illustre cette fois, la vache. Oh, on a découvert Nabuchodonosor. Babylone. Ah, mince, je pensais qu'il n'y avait pas de survivants. Si. Alors, un campement barbare. M'en fous. Mais je ne veux pas fréquenter des fous, fit observer Alice. Vous ne pouvez pas vous en défendre, répondit le chat. Tout le monde est fou ici. Je suis fou, vous êtes folle. Comment savez-vous que je suis folle, dit Alice. Vous devez l'être, dit le chat. Sans cela, vous ne seriez pas venu ici. Dis-moi. C'est pas d'aller dénoncer publiquement le Japon.
Faire attention, moi, avec, avec l'Espagne. Genghis Khan, ça va, tranquille? T'as pas l'impression de... T'as pas l'impression d'être un peu con? Pardon. Mais ouais, non, 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 bah non, tu, on sera pas copains, toi, non. C'est pas comme ça que ça marche. Hop. Oh, il a failli raser le camp barbare lui-même, dit. Ça n'a pas été cool. Lui, je vais le faire revenir à Vancouver pour... pour régénération. Et c'est ici que je vais arrêter l'épisode pour aujourd'hui. On grandit petit à petit, mine de rien. Oh, tu m'énerves, toi. Et on a un... on a de grosses rentrées d'argent, 174 par tour. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Oui, je vais accepter l'ambassade. Et ouais, ouais, là on va pouvoir commencer à acheter directement des bâtiments. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, ok. On va vous y faire. Bah on se retrouve, j'ai aucune idée de quel épisode il s'agit là. Non, c'est pas un épisode du vendredi. J'ai 2 semaines d'avance, à peu près. Bah on se retrouve lundi, mardi, jeudi ou vendredi à 11h pour le prochain épisode. Je sais pas quand. Allez. Je vous remercie d'avoir suivi, c'était Tchob. Ciao. Ouais.